Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. L'équipe de Saint-Paul Varcois est très heureux de vous accueillir en ce vendredi 16 avril pour ce temps béni de la litanie. Moment où nous nous rappelons de la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui donna sa vie sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Gardons un petit moment de silence pour nous mettre en présence de Dieu, pour que son Esprit Saint nous remplisse et purifie nos cœurs avant de lui présenter nos prières et nos supplications. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qui empêche ton pied de glisser, qui ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit
flesh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père céleste, toi qui connais nos cœurs et nos désirs, nous voici devant toi pour t'adorer, t'honorer, te louer et glorifier ton saint nom. Toi, le seul, l'unique vrai Dieu. En ce vendredi midi, nous nous rappelons de la mort sur la croix de ton Fils Jésus-Christ, venu au monde pour nous sauver de nos péchés. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et nous nous repentons sincèrement de tous nos péchés. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de continuer à bénir notre évêque Stenio, notre prêtre Didier, ainsi que tous les membres du clergé. Merci aussi, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu verses sur nous et toutes nos familles. Nous te prions, Seigneur, spécialement aujourd'hui, afin de protéger notre pays contre la pandémie du COVID-19. Protège tous les habitants, sois à côté de tous les malades afin de les soulager. Encourage tout le personnel médical. Inspire nos dirigeants afin qu'ils prennent de sages et justes décisions. Nous voulons maintenant, Seigneur, te dire merci encore une fois pour ce temps béni de la litanie où nous allons te présenter nos prières et nos supplications au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La première lecture est tirée du livre d'Exode, du chapitre 32, suivant du verset 7 à 14. Alors, le Seigneur dit à Moïse, « Descends tout de suite. En effet, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte est tombé dans un grand péché. Très vite, ils ont quitté le chemin que je leur avais montré. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont mis à genoux devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Ensuite, ils ont dit, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Je veux me mettre en colère et je les détruirai. Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. » Mais Moïse demande avec force au Seigneur son Dieu de calmer sa colère. Il lui dit, « Tu as utilisé ta puissance, grande et terrible, pour faire sortir d'Égypte ton peuple. Et maintenant, tu veux te mettre en colère contre ce peuple. Pourquoi donc? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire, « Le Seigneur est méchant. » C'est pourquoi il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer dans les montagnes et les faire disparaître de la terre. Seigneur, calme le feu de ta colère. Renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait toi-même ce grand serment. Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays que j'ai promis, et ils le posséderont pour toujours. Alors, le Seigneur renonce au mal qu'il voulait faire à son peuple. Ici se termine la lecture.
Écoutons et méditons les paroles du psaume 106, commençant à partir du 19e verset. Au mont Horeb, ils se fabriquèrent un veau. Ils offrirent à leur culte un bout de métal. Ils remplacèrent Dieu, qui était le titre de gloire, par la statue d'un bœuf, un vulgaire herbivore. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait ces grandes choses en Égypte. Ces merveilles au pays des champs, ces miracles à la mer des roseaux. Dieu parlait alors de les exterminer. Mais celui qui avait choisi, Moïse, s'interposa pour le retenir de tout détruire dans sa colère. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Oh, yeah.
Évangile selon saint Jean, chapitre 5, à partir du verset 31. Si je me rends témoignage à moi-même, ce que je dis ne peut pas être une vraie preuve. Mais c'est un autre qui rend témoignage en ma faveur, et je sais que ce qu'il dit à mon sujet est vrai. Vous avez envoyé des messagers à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Je n'ai pas besoin, moi, du témoignage d'un homme, mais je dis cela seulement pour que vous puissiez être sauvés. Jean était comme une lampe allumée, qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui rendu par Jean. Les œuvres que je fais, celles-là même que le Père m'a donné à faire, parlent en ma faveur et montrent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé parle aussi en ma faveur. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu son visage. Vous ne gardez pas ses paroles en vous parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui parlent de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Je ne recherche pas les éloges qui viennent des hommes, mais je vous connais. Je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Je suis venu de la part de mon Père, et vous ne voulez pas me recevoir. Mais si quelqu'un d'autre vient de sa propre autorité, vous le recevrez. Vous aimez recevoir des éloges les uns des autres, et vous ne recherchez pas l'éloge qui vient du seul Dieu. Comment donc pouvez-vous croire? Mais ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. C'est Moïse qui vous accusera, lui en qui vous avez mis votre espérance. Si vous aviez vraiment cru Moïse, vous m'auriez aussi cru, car il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment pourriez-vous croire mes paroles? Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Maintenant, le tropère de la croix. Venez contempler la résurrection du Christ. Venez adorer le Seigneur Jésus. Sur ta croix, Seigneur, nous t'adorons. Et ta sainte résurrection, nous la chantions et la glorifions. Venez contempler la résurrection du Christ. Venez adorer le Seigneur Jésus. Ayant souffert la croix pour nous, il a terrassé la mort par sa mort. Et par la croix est venue la joie pour tout l'univers. La contemplation du Christ. Ô Jésus, porte de louange qui offre une issue à l'homme en désarroi pour l'unir au peuple des vivants, par ton incarnation, tu frappes à notre porte et devances notre attente. Nous te verrons face à face. Ô Jésus, lumière de vie,
qui dans le seul à seul éclaire l'homme et transforme la solitude en joyeuse confiance, par ta transfiguration, tu nous révèles l'horizon de notre marche. Nous te verrons face à face. Ô Jésus, regard de compassion, qui descend jusqu'à l'abîme de l'homme et avec lui traverse les recommencements, par ta passion, tu mets sur nos visages les traits de ton pardon. Nous te verrons face à face. Ô Jésus, amour d'éternité, qui frémit devant la mort de l'homme et vient la terrasser pour nous combler de vie, par ta résurrection, tu nous fais naître à l'amour infini. Nous te verrons face à face. Ô Jésus, fleur de vive, qui rejoint nos rivages d'abandon et féconde une terre nouvelle, par l'esprit de la promesse, tu fais abonder pour ton peuple les fruits de l'Alliance. Nous te verrons face à face. La litanie majeure. Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre, aie pitié de nous. Dieu le Fils, Rédempteur du monde, aie pitié de nous. Dieu le Saint-Esprit, Sanctificateur des croyants, aie pitié de nous. Sainte et bienheureuse Trinité, un seul Dieu, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, ne retiens pas nos péchés, ni ceux de nos pères, ne nous rends pas selon nos offenses. Épargne-nous, Seigneur, épargne le peuple racheté par ton sang précieux. Dans ton amour, protège-nous à jamais. Épargne-nous, Seigneur, de tout mal, de toute méchanceté, de tout péché, des pièges du démon, de la damnation éternelle. Délivre-nous, Seigneur, de tout aveuglement du cœur, de l'orgueil, de la vaine gloire et de l'hypocrisie, de l'envie, de la haine et de la malice et de tout manque de charité. Délivre-nous, Seigneur, de tout penchant mauvais, des séductions du monde, des convoitises de la chair et des tromperies du démon. Délivre-nous, Seigneur, de toute fausse doctrine, de l'hérésie et du schisme, de la dureté du cœur, du mépris de ta parole et de tes commandements. Délivre-nous, Seigneur, de la foudre et de la tempête, des tremblements de terre, de l'inondation et du feu, de la famine, de l'épidémie et de toute calamité. Délivre-nous, Seigneur, de toute oppression, des conspirations et de la rébellion, de la violence, de la guerre et du meurtre, de la mort subite et imprévue. Délivre-nous, Seigneur, par le mystère de ton incarnation, par ta nativité et ta soumission à la loi, par ton baptême, ton jeûne désert et ta tentation. Délivre-nous, Seigneur, par ton agonie et ta sueur de sang, par ta passion et par ta croix, par ta mort et ta mise au tombeau, par ta glorieuse résurrection et par ton ascension, par l'envoi du Saint-Esprit. Délivre-nous, Seigneur, au temps de l'épreuve, au temps de la prospérité, à l'heure de la mort et au jour du jugement. Délivre-nous, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous, Seigneur notre Dieu, pour qu'il te plaise de gouverner ta Sainte Église universelle et de la conduire dans la voie de la justice. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise d'accorder à tous les évêques, prêtres et diacres la vraie connaissance de ta parole, que dans leur prédication et dans leur vie, ils la proclament fidèlement. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de bénir ton peuple et de le garder. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise d'envoyer les ouvriers à ta moisson et d'attirer dans ton royaume l'humanité tout entière. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise d'accorder à tous les peuples la grâce d'entendre ta parole et de l'accueillir, et que se développent en eux les fruits de l'Esprit. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de conduire à la vérité ceux qui sont égarés ou aveuglés. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous donner un cœur qui te craigne et qui t'aime, pour vivre selon tes commandements. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de pénétrer le cœur de tes serviteurs, notre président et le premier ministre, et tous ceux qui détiennent l'autorité,
afin qu'ils pratiquent la justice, aiment la clémence et marchent dans la vérité. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de faire cesser la guerre partout dans le monde et de donner l'unité, la paix et la concorde aux nations et la liberté à tous les peuples. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise d'avoir pitié des captifs et des prisonniers, des affamés et des sans-logis, des opprimés et des délaissés. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous donner les fruits de la terre et de les préserver à notre usage, afin que tous en soient rassasiés au temps voulu. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous inspirer dans la diversité de nos vocations, à te servir d'un cœur simple pour le bien de tous. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de protéger de tout danger ceux qui travaillent ou ceux qui voyagent. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise d'assister les mères dans les douleurs de l'enfantement, les jeunes enfants et les orphelins, les veufs et les foyers en difficulté. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de visiter les isolés, de soutenir ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps ou dans leur esprit, et de fortifier de ta présence les faibles et les infirmes. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise d'étendre ta miséricorde sur toute l'humanité. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous donner un repentir sincère, de pardonner tous nos péchés, nos négligences et nos erreurs, et de nous revêtir de la grâce de ton Saint-Esprit qui renouvelle nos vies. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de pardonner à nos ennemis, ceux qui nous persécutent et nous calomnient, et de leur donner un cœur nouveau. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de soutenir ceux qui tiennent bon, de réconforter ceux qui manquent de courage, de relever ceux qui tombent, et enfin d'écraser Satan sous nos pieds. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise d'accorder la vie éternelle et la paix aux fidèles défunts. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise que dans la communion de Saint Paul et tous les saints, nous ayons part au royaume du ciel. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu, de grâce, écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu, de grâce, écoute-nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur, aie pitié de nous. Ô Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Nous gardons un moment de silence pour nos intentions particulières. Comme nous l'avons appris du Seigneur, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Tu as promis, Dieu Tout-Puissant, d'exaucer les demandes de ceux qui t'invoqueraient au nom de ton Fils. Nous t'en supplions dans ta miséricorde. Prête l'oreille aux prières et aux supplications que nous venons de te présenter. Fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi, selon ta volonté, pour que ton secours nous soutienne et que ta gloire soit manifestée par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sauveur Tout-Puissant, au milieu du jour, tu as appelé ton serviteur Saint Paul à être l'apôtre des nations. Nous t'en prions, illumine le monde de l'éclat de ta gloire, pour que tous les peuples soient conduits à t'adorer, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen.
Garde-nous, Seigneur, dans la joie, la simplicité, la miséricorde selon l'Évangile. Bénis-nous en ce milieu du jour, nous et ceux que tu nous as confiés, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu as étendu tes promesses à toutes les nations. Rassemble dans ton Église les hommes de toute race et de toute langue, qu'ils chantent ta puissance et ta gloire, unis dans le même esprit d'amour et de vérité. Exauce-nous par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu allume en nous le feu de son amour. Amen. On dit la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Watching.